On parle beaucoup de la planète Mars en ce moment avec la mission du robot Perseverance. Mais pour les doctorants de l'université de Mulhouse que vous allez rencontrer à présent, l'objectif, c'est la Lune. Ils ont mis au point un système de production d'électricité destiné à l'installation d'une base lunaire. Reportage Loïc Schaeffer, Eric Kleinhofer. De la paille de fer incandescente, un spectacle envoûtant. Une expérience surtout qui a permis à ces doctorants mulhousiens de remporter la finale internationale du concours Act in Space. Depuis octobre, les voilà impliqués dans une aventure spatiale innovante. Leur but, utiliser la combustion du fer pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement d'une future base. Alors pourquoi les métaux en règle générale? Parce que les métaux sont une source d'énergie propre. Donc elles ne font aucun polluant. Et pourquoi le fer en particulier? Parce que sur la Lune, le fer est à l'état pur, alors que les autres métaux sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Produire de l'énergie sans polluer, l'idée séduit les plus grands chercheurs, comme ceux du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Les jeunes scientifiques rêvent à présent de créer leur start-up. Pour cela, il leur faut vendre leurs produits et donc consacrer du temps au financement et au marketing. C'est tout un aspect qui est nouveau pour nous. Qui nous plaît énormément, qui suscite énormément de motivation. C'est le côté scientifique et le côté entrepreneuriat qu'on va fusionner pour pouvoir donner le meilleur nous-mêmes et pour pouvoir faire avancer ce projet le plus loin possible, le plus rapidement possible. D'autant que le projet pourrait également trouver des applications sur Terre, ce qui n'empêche en rien, bien sûr, de viser la Lune, notre satellite qui pourrait accueillir des bases durables sur son sol dès 2025.